Hello, Frank. Who is she? Trouble. How are things? Yeah, Frank. How are things? Nos retraités préférés sont de retour. Après un succès international en 2011, les retraités de la CIA vont devoir faire face à une nouvelle menace avec pour leur prêter main forte Catherine Zeta-Jones et Anthony Hopkins et aux commandes Dean Parizeau, le réalisateur de Galaxy Quest. I never heard of you. Must be a little bit before my time. Well, you've heard of me now. Saving the world! Nostrovia! Nostrovia! Budim to the... We're the Wolverines, and we create chaos. We need to steal that weapon. I can't. Relax. L'Aube Rouge fait partie de ces nombreux films d'action des années 80 que l'on remet au goût du jour. Ici, Dan Bradley remet au goût du jour le film de John Milius, où il mettait en scène l'invasion des États-Unis par la Russie. Ici, ce n'est pas la Russie, mais la Corée du Nord qui envahit les États-Unis, et c'est un groupe de jeunes qui va décider de former une résistance, les Wolverines. This is just some place. For us, this is our home. Welcome, bienvenue. Welcome. Well, it's weird, isn't it? You come back and everything's sort of different. I suggest you get on your way. Welcome home, boys. Et voilà, la trilogie va se conclure. Après Shaun of the Dead et Hot Fuzz, Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost livrent Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde. Le dernier film de leur trilogie Blood and Ice Cream, qui semble être une comédie de science-fiction parodique absolument hilarante et déjantée. We should head back to London. A, we're all drunk. B, we've got blood on our hands. It's more like ink. We've got ink on our hands. From the creators of Shaun of the Dead and Hot Fuzz. Let's climb down the drain pipe. I got a better idea. Climb down the drain pipe. The only way to survive the night is to make it all the way to the world's end. Where are the others? They're blending in. Hello, I am a robot. We're just five friends on a night out, having a good time. The world's end. Is that? We are gonna get to the world's end if it kills us. Oh no! Doomsday.